Bon, la connerie du jour, que je viens de recevoir il y a quelques minutes. Bon, c'est deux fois le même truc, hein. Je viens juste de découper celui-là. Alors très franchement, vu que j'achète des kits tous les jours en ce moment, je sais plus trop ce que c'est. Bon, d'accord. Bon, de toute façon, vu la liste des composants et surtout vu la taille de cet énorme condensateur, c'est évident. Donc il s'agit d'une alim. J'ai oublié ses propriétés par contre. Et ben on va se souder ça et puis on va tester ça à la sortie. Je me souviens plus trop des caractéristiques exactes. Voilà, je me retrouve obligé de le retester puisqu'en fait j'ai remplacé ce condensateur-là par un vieux modèle qui est plus grand en taille, qui a les mêmes propriétés. Parce que j'ai besoin d'un petit modèle comme ça sur un autre projet. Donc du coup j'ai piqué le petit modèle de ce kit pour le mettre sur mon autre projet. Et du coup j'ai pris le gros qui devait aller sur l'autre projet dans celui-là. Ah, la deuxième moitié du kit montée à l'envers. Enfin montée à l'envers, en fait ça marche très bien, c'est simplement. Bon ok, bon bah très bien. Bon on va dire 17,9 pour 18, hein, je le réglerai mieux. De toute façon il y a le potentiomètre pour ça. Alors juste un petit truc agaçant. C'est que le circuit en fait après vérification est effectivement câblé à l'envers. C'est-à-dire que le point rouge du connecteur est bien une masse et le point noir du connecteur est bien la sortie plus positive. Et contrairement à ce que je craignais, c'est absolument pas une erreur de ma part. C'est vraiment comme ça que c'est conçu. C'est une petite connerie. Donc ça n'a rien de grave, hein, il suffit de le savoir. Et quand je ferai le câblage monté dans le boîtier, la question ne se posera plus puisque le connecteur sera dessoudé de la carte et déporté le long du boîtier. Et voilà, notre petit montage tout monté, tout soudé, tranquille. On va pouvoir tester ça.